Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dishonored pour un tout nouvel épisode, le 12ème je crois, en partenariat avec GamesPlanet. Et on s'était arrêté juste ici avec pas beaucoup de vie, enfin pas grand chose au final. Et on est un peu coincé là où on est, dans le sens où on n'a plus beaucoup de vie, comme je l'ai dit. Et il y a ce gros machin tout dégueulasse. Et puis qu'il y a un monsieur et un autre monsieur avec sa putain de cache de merde là. Je sais pas s'il y a moyen de lui de l'exploser ou je sais pas quoi. Sachant j'ai plus de pouvoir. Je sais pas lui s'il va se prendre dedans. Ok, ça n'a rien fait. De la merde. Oh my god. Oh, faut que j'utilise des grenades. Je suis obligé, sinon... Déjà, lui, je sais même pas comment je vais le tuer, le gros truc, là. Et, en plus, il y a beaucoup de mobs. Je me suis déjà copté. Je sais pas comment. Déjà, faut que je me barre. Faut que je ressorte obligatoirement. Comme ça, j'aurai vraiment un peu plus d'espace pour courir parce que là, je suis un peu enfermé. J'ai plus rien, quoi. Allez, casse-toi. Même ça, je suis même pas capable de le tuer, quoi. Ah là là. Bon, déjà, je ressors et je sauvegarde. Je sors et je sauvegarde. Allez, là, dépêche, bouge ton cul, toi. Voilà, moi là je suis safe. Non, je vais sauvegarder là. On peut voir quand même que j'ai fait pas mal de sauvegardes. Hein. Sauvegarder. Quitte à faire 50 sauvegardes dans ce passage, je m'en fous. Je sauvegarde. Sachant que j'ai plus beaucoup de vie là. Je peux quasi rien faire. Quoi. Voilà, hop, déjà un en moins. Il est sorti. Non, il sort pas lui. Je vais tenter un truc, tant pis. D'accord, je le défonce, on a rien à péter quoi. Ah, mais il y a des autres gens. What? Mais ils sont de où? Attends,
À gauche, à droite, il y avait personne, on est d'accord. On va aller voir là-bas. Qu'on soit d'accord. On est d'accord, hein. Y'a personne. Putain, bah. Je peux pas peut-être rentrer là. Non, on me téléporte là. Là, on est d'accord, y'a personne. Pourquoi y'avait un mec à gauche là tout à l'heure? What the fuck? J'aurais jamais réussi à passer avec ça quoi. Faut que je trouve une combine. Déjà obligatoirement je dois utiliser ça. Regardez, what, ça spawn. Ah, je vais vous tromper. D'accord, en fait ça spawn, super. On se casse. Ah, par contre, attends, je crois qu'ils me suivent. Putain, ça me suit. Je vais faire un demi-tour. Je vais vraiment à la station de maîtrise trouver de la vie et tout là, parce que au moins de la vie, parce que sinon je vais pas aller loin moi. What? Ok, je cours. Ok, monsieur. Je sais même pas par où me barrer tellement il est sale quoi. Oh tiens, je vais aller dedans. On s'en fout. Eh bien, donc il y a de la vie ici. Oh. Quartier du Lord d'Argent. Il n'y a même pas de vie dans ces chambres ou ça se passe comment? C'est quoi, je vais sauvegarder là. Let's play Sauvegarde Simulator. Oh. Ouais, même si je fais de la merde. Ça va être toujours vivant. Enfin, je suis vraiment arrivé là. Ah, mais du coup. Wait. La station émettrice passe par sa chambre. Tac. Mais je m'en fous, je suis dans sa chambre. Pourquoi j'ai besoin d'une clé quoi? Dans son bureau, il n'y a pas de clé. S'en fout. Tant pis, on va tenter autre chose. Seulement, ça ne passe pas.
fuck. Y'a pas des clés au-dessus de son lit, non? C'est passage secret. Oh, de la vie. C'est où j'étais tout à l'heure, ça. Vous croyez discret? Sonne l'alerte! À moi, à la garde! Impossible. Aïe! Tu crois être rapide? Putain, c'est bon, j'ai récupéré de la vie et tout. Quand je vous aurai trouvé, ça va mal aller. T'es où? T'as fait, j'ai mon double saut, mais. Je sais pas quand il repop. Ça fait de la merde. Oh, j'ai explosé les portes. Bouh. Ok, là j'ai mon double saut. Je sais pas combien de temps je dois attendre pour que mon double saut se recharge. Là, je fais mon double saut, je fais le TP et je peux essayer de passer quoi. Allez, je le. Vous savez quoi? Je vais le tenter. Quitte à mourir, autant mourir dignement. D'accord. Bon, je suis pas mort, mais. Mais j'ai connu. Il doit avoir moyen de passer. Je l'ai souvent en fait mon double saut. Ok, c'est la mort. C'est la mort. C'est le cheaté. Bon. Soit je dois trouver la clé, soit je dois me démerder pour y aller. Attends, sa clé de chambre, elle doit bien être quelque part, à moins qu'il a sur lui. Voilà. On va se faire chier. Ouais, par contre, avec ça, je vais pas être d'accord, moi. Personne surprise en brûlé sera appréhendée. Ce message est une directive signée du Lord Régent lui-même. Nous lui devons confiance et loyauté. Hop. Ah, faut lui parler? Ok, faut lui parler. Tant pis, t'es mort. Bon, bah vous savez quoi? On va recharger, il faut lui parler. C'est bon, il devrait plus le dire, quoi. Il devrait afficher l'objectif en haut. Oh merde, putain, faut passer par là. Putain, t'es sérieux, j'avais réussi juste avant et je vais galérer à passer maintenant. Putain, j'ai fait la boulette du siècle, je crois. Désormais interdite en ville. Les citoyens ont pour ordre d'apporter toutes celles en leur possession à la garde urbaine au plus vite. Toute personne surprise à en brûler sera appréhendée. Ce message est une directive. Ce message te détruira dans 30 secondes. Nous lui devons confiance et loyauté.
pitié, ne me faites pas de mal. Vous êtes ici pour tuer le régent, n'est-ce pas? Épargnez-moi et je vous aiderai à l'abattre. Il s'enregistre sur un audiographe tous ses secrets, dont certains extrêmement compromettants. Cet amplificateur-là permettrait de diffuser ses confessions dans toute la ville. Ça serait sa fin. La carte d'audiographe se trouve dans un coffre de la chambre du Lord Régent, mais j'ai pu apercevoir le code en lorgnant par-dessus son épaule. 935. Croyez-moi, ce qu'il y a sur cette carte devrait largement suffire. Bonne chance. 935. Putain, ça veut dire que je dois redescendre. T'aurais pas de la vie, s'il te plaît? Eh, vas-y, fais pas de ça, pute. Attends, je vais sauvegarder. Par contre, là, ça va être difficile, difficile, c'est de redescendre avec le putain de piège qu'en bas, quoi. Elle est où, la porte? Du coup là je peux pas rentrer. Putain, fais chier quoi. Pourquoi j'ai pas sa clé aussi? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Attends, je pourrais pas les approcher. C'est quoi ces bruits chelous là? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui respire à côté de moi. Nous avons un arrangement très précis, maître espion. Mettez l'argent dans l'autre coffre secret où vous pourrez être sûr que nous rappellerons. Je suis sûr qu'il y a putain de l'espion. Regardez. Je suis sûr que l'espion il est pas loin. Vous savez les mecs qui se téléportent là? Ceux qui sont venus pour tuer la reine justement. Enfin, vous avez compris quoi. Je suis sûr qu'il y en a un qui va se pointer, je sais pas pourquoi. What? Oh, il éteint le truc. Tant mieux. Il est où le mec? Putain, il s'est barré l'enfoiré. C'est marrant, moi je diffuse. Si j'explique tout, vous verrez que je ne suis pas fautif. Mon plan d'éradication de la pauvreté devait supprimer ces vermines fautrées, la crasse et le péché, sans autre désir ou occupation que de mendier l'argent que nous autres trimons pour gagner. Attends, wait, je regarde. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de le tuer, le mec, qu'il va se faire niquer tout seul par tous les citoyens, en fait. Mon plan était simple. Ah, je peux rejoindre Porte de la Tour, quartier des tourmenteurs. C'est qui le tourmenteur? Et les laisser nous débarrasser des pauvres. Bonsoir, je vais sauvegarder. Début. Mais c'est rare. Je vous ordonne de déposer vos armes. S'ils cherchaient à déjouer mes projets, ils ont proliféré. Votre défaut pour ce que vous avez fait. Non, vous alarmant. Riche si vous me laissez pas. Personne n'était épargné. Riche, vous avez pratiquement détruit tous tombaient malades. Gens ont commencé à s'interroger. L'impératrice m'a chargé de découvrir si une puissance étrangère était impliquée. Je savais que la vérité finirait par éclater. Et que mon seul choix était de rien faire disparaître en fait. Pour prendre le pouvoir de se barrer, sa place. Sans se faire capter. Elle devait mourir. Quartier du tourmenteur, faut que j'y aille là-bas. Elle devait mourir,
comploter la mort d'une impératrice n'est pas chose facile. Mais cela m'a permis de prendre des mesures plus drastiques contre la peste. Quarantaine, déportation des malades. Mais il y a toujours une idiote qui cherche son enfant perdu, ou un misérable ouvrier qui ne retrouve plus sa femme. Et la quarantaine vole en éclats. Vous comprenez ce que j'avais prévu ? J'aurais réussi si tout le monde avait suivi mes ordres. J'aurais réussi si tout le monde avait suivi les ordres. Quartier du général Tobias. Contre un goussin impérial, hop. Je sais pas c'est qui le général Tobias, mais je le vole aussi. Inquiétude concernant l'interrogatoire. Attends, ferme la porte pour pas qu'on me voit. Trop calme, non? Quoi? Bonjour madame. Yolo! Aidez-moi s'il vous plaît. Ouais, je t'aide. Tiens. On va faire genre tu dors, allez hop dégage. Clé de la chambre du Lord Régent. Ah bah voilà, bah c'était la bonne qu'il avait. Putain. Bon c'est pas grave, j'ai ses clés. On va sauvegarder. En fait j'étais quasi bon la fois dernière. C'est juste que j'ai fait de la merde. Je voudrais que j'aille sur les quartiers là. Je vais m'embêter. Ça va, personne n'a bougé. Yuck et Dol. Oh là, ça peut m'aider. Hop, hop. Ah, ah, me sauver. Sauvegarde. On va s'en sortir, les gens, on va s'en sortir. Ouais, mais là, je m'éloigne. Moi, je vais aller là-bas, là. Je me demande qui c'est le Lord Régent. So, c'est fait. Entre les hauts murs de la forteresse ennemie. Tu es quelqu'un d'invincible, on dirait, et tout autant imprévisible. Le Lord Régent vit, malgré tous ses crimes. C'est cela le plus surprenant. L'année dernière fut sûrement terrible pour cet homme si anxieux, voyant la peste devenir incontrôlable. Et les gens dans les rues perdre la raison et mourir du sang dans les yeux. Tout cela était de sa faute. Pendant que tu traquais ces hommes l'un après l'autre, pour parvenir jusqu'à lui,
il a dû réaliser combien tous ses plans étaient inutiles. Et cela a dû être proprement terrifiant. Mais au final, tu as pris la décision la plus modérée. Je me demande bien quelles en seront les conséquences. En fait, je m'attendais pas à ça. J'ai vécu très longtemps. Et voici les instants que j'attendais. Oh, il reste son entier. Bon, en fait... What the fuck? J'avais pas vu qu'il y avait un clips. En fait, en faisant... en mettant le système audio, là... What? C'est quoi l'arnaque? Qui se prend des coups tout seul, bon c'est grave. En mettant le système audio, enfin la, on va dire la cassette, hein, pour être plus compréhensible. Je m'attendais pas que, en fait, le Lord Régent se fasse arrêter. Je pensais que, bah, il allait commencer à courir, se barrer ou des trucs dans le genre, mais pas au point à se barrer, à se faire prendre comme une tafiole. Ah mais en fait, je suis revenu là. Je vois où on est en fait. Je m'attendais pas du coup, comme je disais, qu'est-ce qui se fasse arrêter dans l'immédiat. Je m'attendais à la limite, donc qu'il se barre, qu'on course, blablabla, 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 hein. Et du coup, bah, ça change carrément la tournure, quoi. Voilà, par contre, faudrait que j'arrive à me rebarrer. Ou juste, eh si, j'arrive à le croiser, c'est pas grave. Du coup, comment je vais faire pour me barrer là? Il est où lui? Samuel, 140 mètres. Je sais pas du tout, attends. Je teste un peu. Ok. Il y en avait encore en dessous, je crois. Du coup, je peux peut-être passer par au-dessus. Tout dépend où est collecté ce truc. Merde. Ok, sauvegarde. Bon, logiquement, je suis arrivé à la fin. Je dis bien logiquement. YOLO! Attends, il y a de l'eau en bas. Ouais, ça va peut-être décaler un petit peu. Geronimo! Bonjour. Bon, en tout cas, il n'y a aucun des deux qui est mort, quoi. C'est terminé? Vous êtes prêts à retourner au Han Pits? Vas-y, let's go. Merci à vous, Corbeau. Bon, allons-y. Ok, retour à la tour. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. En plus, ça fait 30 minutes de vidéo tout pile. On voit comme quoi je récupère jamais tout ce qu'il faut. Attends, il fallait récupérer un tableau de Sokolov. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère aussi que le let's play vous plaît, hein, en attendant le 2. N'hésitez pas à commenter, partager mes vidéos, rejoindre ma chaîne, le Facebook, le Twitter, tout lien sur la description. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.
Shut up!